communication responsable, tout d'abord, c'est de la communication. C'est une communication dans tous les sens du terme, avec toutes les techniques de communication, tous les leviers, les outils de la communication, mais avec une posture qui est particulière, une posture que les professionnels du monde de la communication ont imaginé, ont proposé pour répondre aux enjeux et aux crises environnementales, sociétales et sociales. Donc la communication responsable, c'est de prendre en compte des parties prenantes, c'est de prendre en compte les réponses à ces crises et d'utiliser des outils, d'utiliser des postures qui permettent de proposer des stratégies de communication, des productions, des publicités, des campagnes et des recommandations de communication avec une éthique, avec un engagement, en faisant attention, en prenant parti sur l'inclusion, la diversité, l'environnement et les réponses à l'ensemble des crises. L'ISCPA est une école qui, depuis plus de 20 ans à Lyon, est dans l'innovation, innovation pédagogique. Il était donc logique, naturel, que nous intégrions dans nos programmes cette dimension citoyenne et d'engagement en adéquation avec un marché du travail et dans la communication qui est en pleine révolution, avec une prise en compte de l'attente des consommateurs et des citoyens sur une meilleure communication. Alors le programme, il va être très diversifié. Il y aura des cours, des modules de cours avec des cours très classiques dans une école de communication avec du marketing, de la communication, de la direction artistique, de la création graphique, de la communication événementielle ou des relations presse. Mais il va y avoir aussi énormément de modules d'approfondissement pour intégrer cette posture de communication responsable. On va faire de la communication événementielle, puis on va gérer un événement avec l'intégration des enjeux d'une communication responsable et d'un éco-événement. On va faire de la création graphique et en y intégrant cette posture d'éco-édition et de prise en compte des impératifs de la communication responsable. On va faire énormément de cours de culture générale, de prise en compte de ces crises et de ces enjeux sociétaux et environnementaux de manière à ce que nos étudiants puissent réfléchir et proposer des solutions dans le cadre des recommandations et des cours. Donc vous allez vraiment avoir un programme complet. À côté des cours, des actions, des implications, puisque chaque étudiant va pouvoir s'impliquer sur une cause, sur un enjeu qui l'intéresse pendant une durée d'une année. Il va pouvoir s'impliquer. Et puis bien évidemment, un stage long dès la première année et qui va ensuite se développer en deuxième, puis avec une troisième année en alternance, qui permettra à nos apprenants d'avoir déjà un pied en entreprise et d'être déjà des experts qui pourront sensibiliser la structure dans laquelle ils vont travailler.